Alain Scossa s'est repris très vite. Il est prêt à aimer l'enfant de Sylvie. C'est toujours la guerre ouverte entre Nicole et Maurice. Bruno, le beau-fils de Nicole, voit en cachette Nathalie, la nièce de Maurice. Ça ne nous plaît pas, Alexandre et à moi. Maurice est toujours envoûté par la petite Marie-Claire, qui, elle, ne sait plus où elle en est. Et le drame arrive. Le coureur automobile ne supportait plus d'être ridiculisé par ces deux-là. Quand donc Maurice comprendra-t-il que la seule femme qu'il aime, c'est Nicole? Alain Scossa a loué une maison pour les vacances de Sylvie et Rémi. Il demande Sylvie en mariage. Elle ne lui répond pas. Déçu, il disparaît. Rémi part en colonie de vacances et peu après, tombe gravement malade. Sylvie court le rejoindre. Elle n'a pas le temps de prévenir Alain. Je suis là, Minou, je bouge pas. Je suis avec toi. Je bouge. Je suis là, pleure pas, mon cœur, pleure pas. Je veux pas te faire. Chut. Mais on est là, Minou. On est là. Chut. On est là. Excusez-moi. Oui, quelqu'un vous demande à l'entrée. Qui ça? Je ne sais pas, mais vous pouvez y aller, je vais rester là si vous voulez. Non, mais je veux pas laisser tout seul. Vous le gardez. Allez-y. J'arrive. Non, j'arrive, mon cœur. J'arrive, Minou, j'arrive. J'ai deux minutes, je suis là, ok? J'arrive, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis là. Daniel. C'est bien que tu sois venu. C'est normal, c'est mon métier, je suis tout bib. Allez, allez. Allez, je suis là, allez. Bien. Allez, allez. C'est rien. J'ai vu le médecin, il a rien du tout. C'est pas vrai. Il a rien. Mais je veux pas qu'il meure, tu comprends? Tu l'as pas vu, toi? Moi, non, mais j'ai vu le médecin. Tiens, c'est lui qui est là-bas. Lagarde! Docteur Lagarde, viens, on va aller le voir. Allez. Tiens, salut. Bonjour, madame. Bonjour. C'est la maman du petit. Alors, dis-lui. C'est rien. Foyer infectieux, une otite, ça arrive. Oui, mais ça dure pas aussi longtemps, alors pourquoi vous... Je vous garantis qu'il ne risque absolument rien. Un traitement par antibiotique énergique et votre enfant n'aura plus aucune séquelle. J'y crois pas. Vous dites ça pour moi sur... Mais les médecins, écoute! Mais tu l'as pas vu, Rémi, toi, hein? Je vais quand même vous dire une chose, madame. Votre fils a reçu un choc affectif. Et sa méningite est psychosomatique. Psychosomatique? Bon. Vas-y, merci. Au revoir. Salut. Au revoir, madame. Absolument rien. Rien. Mais il te l'a dit trois fois, écoute, il a rien. C'est pas la peine de... Mais enfin, pourquoi il me dit psychosomatique, c'est ridicule. Pff. Rémi a toujours été la joie de vivre à tel point que je me suis demandé s'il devenait pas indifférent à tout. En plus, il sait très bien que s'il a un problème, il peut venir me le dire. Mm. C'est évident, non? Oui, ça crève les yeux. Oh, pour toi, c'est facile. Pour moi, c'est peut-être pas aussi facile que tu l'imagines. Et ton Rémi, ce qu'il a, c'est qu'il se sente trop. Et moi aussi, je me sens trop. Oui, mais Rémi, c'est mon fils. Ah oui, et moi, je suis ton meilleur ami. Ah, tu mélanges tout. Oui. Si moi, je mélange tout, toi, tu sépares tout. C'est pire. Bon, allez, je vais voir Rémi. Non, 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 non. Tu restes là, Rémi, il est soigné, tout le monde s'en occupe. Toi, tu vas venir avec moi, on va marcher un peu, on va parler. Allez, hop! Allez, reprends-toi. Tu vas pas m'engueuler, non? De toute façon, je me pardonnerai jamais d'avoir imposé Alain à Rémi. T'as tort, c'est la meilleure chose que t'aies faite, ça. Ah oui, ça c'est une bonne idée, il a failli en mourir. Non, il a peur d'affronter la réalité, c'est tout. Écoute, ce gamin, mets-toi à sa place. On lui apprend que son vrai père est mort. Mmh. Et il l'avait jamais rencontré. Donc avec toi, le gamin, ça faisait un couple. Oui. Et d'un seul coup, tu rencontres le prince charmant. Arrête, j'ai pas envie de rire aujourd'hui. Moi non plus, j'ai pas envie de rire. Je rigole pas, hein. Alors pour te rendre service, pour te laisser tranquille, il s'en va en colonie de vacances. Donc l'eau dans sa tête, ça travaille, et il craque. Logique, moralité, hôpital, méningite, etc., etc. Psychosomatisation typique, cher madame. C'est 85 francs la visite, et ça a un petit peu augmenté, madame. C'est pas cher. Et vous avez pas fini de jouer au con tous les deux?
Ça, je vais te dire une chose, je te jure bien que maintenant, Rémi et moi... Non, 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 Alain. Ta vie, elle marche par trois. Il y a Alain, il y a Rémi, il y a toi. Sinon, c'est la schizo. Hé, mais écoute-moi, je suis en train de te parler. Oh ! Mais je t'écoute. Je te parlais de la schizophrénie. Oui. Bon. La schizophrénie, c'est une rupture de contact avec le monde extérieur. Relisez Freud, madame, lisez Freud. Tu n'es qu'un clown irrécupérable. Oui, avec le nez qui s'allume et la perruque qui tourne. Oui, c'est ça. Oui. Mais je vais te dire un truc quand même. Non, je vais te dire deux trucs. Quoi ? D'abord, j'ai les cailloux pleins mes godasses. Et ensuite, le seul adulte de votre histoire, c'est Rémi. Alain et toi, vous passez votre temps à vous regarder dans les yeux, mais il y a un mec qui a écrit un jour... je sais plus qui c'est, mais il y a un mec qui a écrit « S'aimer, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. » Je vais arrêter parce que je fais des citations, c'est mauvais signe. Et la direction... La direction, c'est Rémi qui vous la montre. Allez, j'entre à Paris, je suis pressé. Salut. Chez moi, c'est 3. Et pas de conneries. Non. Mais... Salut, salut. Alors ? Zéro. Ah. Ouais, t'es sûr ? Tu perds ton temps. Laisse tomber. Mais pourtant, celui-là paraissait sérieux. Hein. J'avais pris le renseignement sur son affaire. Pour la pâter, j'avais décidé le conseil municipal à lui accorder ce qu'il voulait. Au dernier moment, ça y est, il se dédie. À la lune. Ça fait 100 fois que je te le dis. Laisse tomber. Et puis mets-toi bien une fois pour toutes dans la tête que tu ne pourras jamais attirer une PME à fleurissement. Et plus tu t'entêteras et plus les gens t'en voudront de ne pas réussir. Mais en attendant, aux prochaines élections, ça y est, je suis viré. Oh, ce sera pas un mal. Tu vas pouvoir respirer. Et moi aussi. Je vais arrêter de me faire du mauvais sang. C'est Jacques, c'est pour moi. Je vais demander de me téléphoner. Mais je te dis que c'est pour moi. Oui ? Je rentre à l'instant de Banyuls. Ah, c'est Madeleine. Rémi va mieux. Ah, tant mieux. Mais il y a un petit problème. Il faudrait que vous... Et pourquoi ? Mais je crois qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire, parce que j'essaie d'appeler Alain Scossa, mais je crois qu'il ne veut pas me répondre. Alors, il faut que... Oui, c'est parce que c'est ton père qui est là, à ma côté. Non. Oui. Eh bien, écoute, pour le lapin, c'est très simple. Tu le mets dans une cocotte avec un peu d'huile, hein. Et puis tu fais revenir des petits oignons, puis tout va bien. Oui. Ah, écoute, je vais voir comment je vais pouvoir m'arranger, et puis si je peux venir. Angelina, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Toi aussi. Bon. Alors... Bon, mais alors on mange ? Bah, on va manger, oui. C'est parce qu'elle n'arrivait pas avec son civet. Je sais pas, pourquoi il y a du lapin ? Mais non, c'est Madeleine. Allez, viens. Oh, mange ! Je ne t'ai pas raconté ce que... Jacques, pour le goût de Jacques. Ouais. Salut, petite sœur. Ben, revenant. Si tu veux, j'avais du boulot. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça va? Ben, dis donc. Vous êtes lancé en l'effort, Grasset. T'as vu? Ah, c'est super, moi. Ben, qu'est-ce que tu veux, les affaires marchent? Ah oui, je vois ça, mais... Les gosses, ça va ? Ça va. Là, elles sont sorties avec la jeune fille au père. Ah, ouais. Gérard ? Ça va. Toujours en vadrouille, quoi, pour chercher des contrats. Hop. Je t'invite au resto. Ah non, j'ai pas le temps. Allez, chiche. Mais non, mais j'ai trop de boulot. Et alors, moi aussi. On va bien se payer un peu de bon temps de temps en temps, non ? Tu crois ? Ouais. Bon, ben on y va, je vais me changer. Attends, mais t'es très bien comme ça. Allez, viens. Quoi ? T'enlèves le chapeau, c'est tout. Ok.
Voilà. Bon, ben, on n'a rien oublié. Quel travail, attends. Erreur, docteur Watson. Ben, pourquoi? J'ai tout rayé sur ma liste. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller manger maintenant? Oh non, on n'a pas le temps, écoute. On a déjà passé toute la journée pour les paquets. Allez, viens, je t'invite. Non, non, arrête. Bon, ben, écoute, si tu veux me faire plaisir, prends-moi un éclair au chocolat, ok? D'accord? Oh non, pas d'éclair au chocolat, écoute. J'ai l'intention aujourd'hui, puisque je te sors, de t'offrir, avec mes modestes moyens, un énorme casse-croûte. Mais écoute... Allez, viens. Bon, mais 5 minutes, hein, parce qu'après... Pas de problème. Doucement. Non, c'est pas vrai que t'as fini la bouteille. Recoute, mais t'es pas sortable. J'ai complètement pompé. Ah oui, je vois ça. Vas-y, mets-moi un petit peu. Hein? Je comprends que Gérard hésite à te sortir. Non, faut partir en plus. Allez, à la tienne. Hein? Eh bien, s'amuser de temps en temps. C'est pas tous les jours qu'on mange ensemble. Ça, c'est pourtant vrai. Mmh. Lâcheur, va. Oh. Je sais, d'accord. Je deviens ours. C'est vrai? Je m'abrutis de boulot, comme ça, je pense pas. Mmh. À Marie-Claire, par exemple. Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, ça, c'est bien terminé. Ah ouais? Oui, oui. Oui, ouais. Elle a bien fait de partir. Ouais. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Ouais. Alors, maintenant, tu vas me faire croire que t'as fait vœu de chasteté? Oui, sœur Madeleine. C'est exact. J'ai fait vœu de chasteté. Pas possible. Non, arrête ça. Confisqué. C'était loin ma dernière rentrée scolaire. Je me sens vieille. T'es presque une grand-mère maintenant, en fait. Hein. Dis donc, sois galant un peu avec les dames. Dis-moi, mais comment c'était, toi? Ça marchait, l'école? Bah, c'était comme ci, comme ça. En fait, tu vois, j'étais comme toi. J'en mettais un coup quand il le fallait, tu vois. Tu sais quoi, Maurice, je voulais te dire? Oui, dis-moi, oui. Bah, tu devrais te remarier. Ah, ça jamais, tu vois. Ah, j'ai déjà donné, merci. J'ai plus faim. Non, j'ai plus faim. J'ai toujours pensé que c'était pas bien que tu cohabites avec Nicole. Bah tu vois, moi je trouve ça très bien au contraire. Ça me donne envie de me bagarrer. Oui, parce que elle s'imagine que je vais céder. Mais c'est elle qui craquera la première, crois-moi. Mais comment tu peux faire comme ça, avec ces bagarres perpétuelles? Question d'endurance. Belle quand tu souris, hein. Tu le sais, hein. Tu sais pas. Je suis pas d'un tempérament sinistre, non, c'est tout. Non. Moi, je crois que j'ai commencé à croire que tu étais un peu lourde, hein. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que t'as vu comment t'es à la maison? Bon. Tu fais semblant de sourire. Quand tu vois Maurice passer dans la cour, tu l'ignores. Et quand il est parti, tu le cherches. Mais non, pas du tout. Je le tiens à l'œil, c'est tout. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je... Je sais pas pourquoi. Tu crois? Puis mêle-toi de ce qui te regarde, ok? Non, Bruno. Je voudrais que tu comprennes. Moi, si je suis restée au domaine, c'est dans ton intérêt. Mmh. J'avais pas envie qu'à ta majorité, tu te retrouves avec une exploitation ruinée et puis sans un rond, tu vois. Mmh. Autrement dit, t'as tout sacrifié pour moi, quoi. Peut-être, oui. Tu sais, je crois que je vais pas rentrer les week-ends. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai mon bac à passer et il faut que je travaille dur, alors je décide de rester la semaine là-bas. Puis, en même temps, c'est Maurice, tu vois. Vos relations, ça m'énerve un peu. Je trouve ça un peu minable. Dans le fond, vous êtes divorcés, mais... Mais quoi? Mais j'ai l'impression que c'est l'agressivité qui vous réunit, maintenant. Je te savais pas si psychologue, dis. Ouf! Oh! C'était bon, hein? Allez, au revoir. Salut! Merci. Je t'en prie. T'as vu l'heure? Écoute, si Gérard te dit quelque chose, tu me l'envoies. Gérard, il se moque pas mal de ce que je peux faire quand il est parti. Il rentre du déjeuner. La vie de famille. Ben quoi, faut bien qu'il ait des repas d'affaires de temps en temps, s'il veut décrocher les contrats. Ben oui, je sais. Bon. Mais depuis quelque temps, je sais pas. Entre le travail de bureau que j'ai pour la société, et puis les gosses. La réussite, ça nous a séparés, Gérard et moi. Mais non. C'est momentané, hein? Je suis sûr que quand la société sera part sur des rails, ça ira mieux. Tu crois? Mais ouais. Bah ouais. C'est sûr. Ouais. Je suis bête de monter le bourrichon, là. Ouais. Dis donc, regarde-moi, toi. Oh, j'ai combien de doigts, là? Bon, allez, j'y vais. Merci.
Oh là là. Elle rentre vite. Tu vas voir, Vera. Mais non. Aussi. T'affole pas, petite sœur. Terminé par la formule habituelle. Et vous envoyez copie du Telex à Vancouver. Bon, maintenant le programme de la journée. Très très chargé, je crois. Ah, j'aime ça. Alors... Déjeuner avec le ministre de l'Industrie, 15h conférence avec les Suédois, 16h30 rendez-vous... Madame, excusez-moi, vous devez vous tromper de bureau. Pas du tout. Mais le président ne reçoit que sur rendez-vous et... Oui, mais justement, vous me laissez avec lui, j'ai à lui parler, à votre président. Merci, Jessie. Vous êtes la tante de Sylvie. Mais comment le savez-vous? Vous ne l'avez jamais vu? On m'avait montré votre photo. Ah. Et quand je vous ai vu à la télé, comme ça on les quitte. Asseyez-vous. Bon, j'ai pas de temps à perdre, je vais directement au but. Entre votre nièce et moi, tout est terminé. Je ne la reverrai plus jamais. Elle a usé et abusé de ma patience. Je ne suis pas une marionnette, contrairement à ce qu'elle a cru. Alors si elle veut se venger des hommes, qu'elle cherche une autre victime. La dernière fois qu'elle m'a téléphoné, elle m'a supplié de me voir. J'ai attendu une heure. Elle n'est pas venue. Elle avait dû encore une fois changer d'avis. Enfin, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Autrement dit, la démarche que votre nièce vous a demandé de faire est complètement inutile. Mais je sais pas, je suis venue vous voir. Excusez-moi, mais mon emploi du temps est minuté. On ne m'a jamais mise à la porte. Et c'est pas un gamin comme vous, tout président qu'il est, qui commencera. Alors, je vous ai écouté, mais maintenant je parle. Vos ennuis avec Sylvie, ça ne me regarde pas. Mais il y en a un que ça regarde. Qui donc? Ta pauvre gosse, qui s'appelle Rémi. J'étais prêt à le reconnaître. Et vous voulez le lâcher? Eh ben, c'est du joli. Pour Rémi, j'étais un intrus dans sa vie avec sa mère. Il fallait pas y rentrer. Il vous a réclamé dans son délire. Quel délire? Si Sylvie n'est pas venue à votre rendez-vous, c'est parce qu'elle avait été appelée d'urgence au chevet de son gamin, qui était en train de mourir. Alors, avant de condamner les gens... Vous êtes peut-être président, vous commandez à tout le monde, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. C'est commander à la vie. Au revoir, monsieur. Attention, tu vas salir tes petites chaussures bleues. Ouh. J'étais accompagné Bruno au collège. Ah ouais? À part ça, quel bon vent t'amène? Il viendra plus au domaine le week-end. Ah bon? Tu me demandes pas pourquoi? Si, pourquoi? Parce qu'il supporte plus l'atmosphère qu'on dégage, toi et moi. Ah bon? Je le comprends. Ouais. Bon, allez, on fait la trêve. Hein? Ça, c'est extraordinaire, ça. Quoi? T'es vraiment encore plus roublarde que je pensais. Ah, pardon? Ouais, tu crois que je vois pas clair dans ton petit jeu, là? Hein? Je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'amote le petit? On reste tous les deux. Après, tu me fais le coup de la danse des sept voiles pour que je te retombe dans les bras et tu roules dans la farine. Mais pas du tout! C'est pas vrai, ça. Tu me prends vraiment pour un plouc ou quoi? Mais arrête, je suis venue exprès! Ça va, je te connais, hein? Je l'ai même payé assez cher pour le savoir. Alors, mets-toi bien dans la tête une chose, c'est que je suis le patron ici, hein, et que je le resterai quoi qu'il advienne, ok? Ok. De toute façon, Bruno aura 18 ans dans 2 ans. L'usufruit d'Angelina tombera, et là, à ce moment-là, je te donnerai pas 2 minutes pour te casser, hein. C'est ça, c'est ce qu'on verra. Oui, bah c'est en tout vu. C'est toi qui te tâches. C'est tout vu.
petite surprise. Tu sais combien de temps j'ai mis pour venir? 5 heures. 5 heures. Tu fais combien de temps? Coucou. Bah, vous vous embrassez pas? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il t'a raconté plein de choses, non? Ouais. Ouais, quoi? Bah, dis-moi. Bah, tu sais combien il a mis de temps pour venir ici? Non, dis-moi. Vas-y, dis-lui, toi. 5h30. Oh là là. J'étais un peu vitouille. Et puis quoi d'autre? Quoi tu veux? De la colo. Tu dors pas encore? Non, je t'attendais. Ouais. Ah, j'ai une soirée épuisante. Et ce dîner? Ah bah, il en finissait pas. Et je crois que j'ai décroché 2 contrats. 40 hectares. Meunier m'a dit que j'avais été formidable. Est-ce que ce type était encore avec toi? Bah, évidemment. Mais décidément, vous vous quittez plus tous les deux. Et c'est lui qui m'a rabattu les 2 clients. Et puis, il est désintéressé avec ça. Hein. Il a refusé la commission que j'avais offerte. Ah, le meilleur moment de la journée. Bah quoi, t'as pas envie? Qu'est-ce qu'il y a? Puis tu sens l'alcool. Toi, tu buvais que de l'eau. Allez, fais pas la tête, allez. Qu'est-ce que vous avez fait après ce dîner d'affaires? Eh ben, on était faire un petit poker pour changer les idées. Tu te rends pas compte? De quoi? Bah, tu te rends pas compte comme t'as changé. Mais je suis crevé par le boulot. Y'a Meunier me le disait encore tout à l'heure. Ah, mais si Meunier l'a dit. Mais qu'est-ce que t'as contre lui? Rien, mais il me plaît pas, c'est tout. Il m'inspire pas confiance. Madeleine, t'es la femme idéale, mais t'as un gros défaut. Lequel? Mais tu te méfies de tout le monde. C'est vrai, écoute. Tu m'as emmené au restaurant demain soir? Oui. Eh ben, Meunier nous a invités tous les deux. Alors, dans ces conditions, mon vieux, tu iras tout seul. Mais écoute, t'es chiante. Je veux pas le voir. Ah non, puis où tu dors, où tu te tires. Mais qu'est-ce que... T'es chiante. C'est chez moi ici. Hein? Ah, puis non, alors là, non. J'ai fait. Mais rien, laisse-moi. J'ai... Qu'est-ce que je t'ai fait? Tais-toi. J'ai rien fait. Enfin, c'est incroyable, ça, quand même. Hein? Aïe. Démence. Allez, dors, dors, hein. Hé, hey, vous venez jouer avec moi? Vas-y, tout de suite, on va jouer. Je
était là il y a deux secondes. Tu l'avais pas su, toi. Rémi ! C'est caché. Je te dis, c'est caché. Viens, viens. Je crois qu'il est passé par là. Attention. Appelle-moi là-bas. Ah, je t'ai vu, Rémi ! Viens. Ah, tu iras pas plus loin. Je te tiens. Dis donc, faut pas disparaître comme ça. Bah, vous avez bien pour marier ? Bah, tiens. Tu vois, c'est simple. Allez, c'est moi qui vais me cacher maintenant. Ah, mais tu sais, Gérard, hein. Je t'admire. Hein. Bon, faut exagérer. Ah non, non, mais je suis sérieux, hein. Tu te rends compte de ce que tu as réalisé en deux ans, là, hein? Tu te rends compte de ça, hein? Bah, tu démarres sans un sou, quand même. Alors, tu crées une entreprise et au début, personne n'y croyait, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, t'as l'embarras du choix pour des clients. Je savais que c'était un bon créneau, c'est tout. Ouais. Hein. Mais tu sais, Paul-Antoine, l'agriculture de papa, c'est fini. C'est mort. Hein? Mon système de contrat, c'est le seul valable. C'est le seul, tu vois la preuve. C'est bon, si j'agrandis pas à Grasser, je vais très vite faire du surplace. Là, je me ferai bouffer par des concurrents qui auront plus de moyens que moi. Mais trouve des capitaux, mon vieux. Trouve des capitaux. Mais Madeleine est contre. Elle me dit sans arrêt que j'ai les yeux plus grands que le ventre. Oui, oui, mais Madeleine, elle se rend pas compte de tes capacités, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas... Non, mais si l'affaire devient trop importante, moi, je vais très vite à te dépasser. Hein. J'ai pas fait d'études, je suis pas comme toi. Moi. Sans Madeleine, la gestion sera en dessous de tout. C'est vrai, ça. Non, non, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et puis, tu sais, je suis appelé à rencontrer des gens de plus en plus importants. Oui. J'ai pas ton éducation. Toi, tu sais parler de tout, toi. Ça aide dans les affaires. Hein. Moi, en dehors des machines, des semis, des récoltes, ma conversation est un petit peu limitée, quoi. Alors, tu sais, Paul-Antoine, j'ai toujours pensé que toi et moi, on ferait une équipe sensationnelle. Mais t'as besoin de personne, Gérard. T'as besoin de personne. Non, mais je t'assure. Non, et puis Madeleine, moi, j'ai l'impression qu'elle me trouve pas très, très sympathique. Hein. Enfin, je m'en rends compte de plus en plus, et puis ça... Oui. Il faudrait pas qu'elle oublie que le véritable patron d'Agrasser, c'est moi. Hein. C'est moi le patron. Hein. Et... Moi, je suis libre de prendre les décisions que je veux. Non, mais n'en parlons plus, Gérard. Non, n'en parlons plus. Écoute, non, puis alors, écoute, moi, je m'en voudrais à mort d'être une cause de problème entre Madeleine et toi. Hein. Ça, j'en veux pas. Non, n'en parle plus. Hein. Ah, et dis donc. Et mon petit modèle, là, monsieur le président, tu l'essayes? Hein? Ah, bah, si. Allez, allez, en voiture. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? On s'assoit. Je la conduis? C'est barbe, ouais. Hey. Alors? C'est comment? Hein? On est bien, hein? Eh ben alors. Oui? Ah non, monsieur Meunier n'habite pas ici. Non, je ne peux pas prendre de message pour monsieur Meunier. Voilà. Merci, au revoir. Alors là, ça va barder. Non, mais parce que tu roules avec la voiture de Meunier, maintenant? C'est pas la sienne. C'est la mienne. Non, tu blagues ou quoi? Non, pas du tout. Elle est chouette, non? Une vraie voiture de gigolo, oui. Moi qui croyais que tu serais contente. Contente? Mais contente de quoi? Non, mais regarde-toi. Tu portes les mêmes vestes que Meunier, les mêmes cravates, tu t'achètes les mêmes chaussures, et maintenant la même voiture de sport?
Mais tu te rends pas compte qu'à ce train-là, tu vas perdre toute ta clientèle. Les paysans, ça a peut-être évolué, mais crois-moi, le tape à l'œil avec eux, ça a jamais marché. Mais j'essaie simplement d'avoir une surface sociale, c'est tout. Une surface sociale? Mais il est devenu complètement fou. Mais tu parles comme lui maintenant? Mais ma parole, il t'a complètement envoûté ou bon, pas? Bon, ça suffit, hein. Ouh là là! À qui tu parles là? À ta bonne? À ton employé de bureau? Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, tu vois? Tu peux être commune, pardon. Oui, je suis peut-être commune, mais moi j'ai encore le sens du ridicule. Toi, tu l'as complètement perdu. Et puis tiens! J'ai encore eu un coup de téléphone pour ton parasite tout à l'heure. Alors tu lui diras de ma part que s'il a besoin d'une secrétaire particulière, il n'a qu'à la payer et l'employer chez lui. Ici, c'est chez moi. Oui, ben c'est chez moi aussi. Hein? Et puis j'en ai marre. Hein, tu entends, j'en ai marre. Oui, j'en ai marre de tes scènes perpétuelles, là. Tes scènes. De mes scènes. Tes scènes, oui, tes scènes. Faut pas que tu oublies, hein, que si tu as tout le confort ici, oui. Si tu peux te payer tout ce que tu veux, c'est grâce à moi. Oui, ben c'est aussi grâce à moi. Oui, c'est moi le patron de la baraque. Ben dis donc, on dirait pas. Tu te laisses mener par le bout du nez, par le premier venu qui passe? Oui, bah alors justement, hein, quoi que tu en dises, Meunier a toute ma confiance. Hein, il peut se procurer des fonds qui permettront d'agrandir le capital de l'entreprise. Alors, j'ai décidé. Ah, t'as décidé? Oui, j'ai décidé, parce que ah bon. C'est moi qui décide. J'ai décidé de le prendre comme associé. Hein, et si t'es pas contente, eh ben c'est la même chose. Alors là, Gérard, écoute-moi bien. Mais regarde-moi aussi. Oui, je te regarde. Écoute-moi, crois-moi. Si tu commets cette immense erreur, eh bien tu vas le regretter. Non, non. Tu m'écriras. Comment ça, je t'écrirai? Ben, je pars demain soulager l'humanité souffrante perdue dans la savane, quelque sorte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ben, je crois que c'est pour ne pas me faire de peine à moi. Tu pars combien de temps? Je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, je suis libre comme l'air, moi. Je suis content de voir que t'es à nouveau heureuse. Voilà, je l'ai dit. Non? C'est à toi que je le dois. Bah, on les quitte, va. Elle fait la même chose pour moi. Et oui, ma vieille, quand je suis arrivé à Florimont faire mon remplacement, j'allais pas bien du tout, moi. Chagrin d'amour. J'allais même très très mal. J'étais sur le point de me rayer de la liste et puis je t'ai rencontré. Et toi, t'avais besoin de moi. T'en vas pas. Ouais, je suis déjà parti, moi. Ça se voit, non? Moi, je m'en vais pas tout seul, hein. Je pars avec ton souvenir dans mes bagages. Ça sera un peu lourd à porter au début, mais... T'as vu l'homme, hein? Je suis costaud. Thank you.
bien joué avec lui. Bien joué avec moi. Juste gagner un peu. Bon. Sylvie, tu te mets en début? Oh non, non. Non? En principe, tout est signé. S'il y a quelque chose, vous me le dites à mairie. Espèce de paysan, là. Ah, tu peux traverser, là, il n'y a plus de voiture. Ça va très bien. Bon, écoute, alors, va pas tarder à t'en aller parce que Alexandre est parti chercher les journées, il va arriver tout de suite. Ah bah ça tombe bien, j'allais lui parler. Et de quoi? Eh bah de Sylvie, de Rémi, de moi, de tout, quoi. Mais t'es complètement fou, tu le connais pas, il va t'assommer. Oh, mais il me connaît pas non plus. Oh. Non, non, je veux qu'il se réconcilie avec sa fille, je veux qu'il connaisse son petit-fils et moi je veux une vraie famille. J'en ai toujours rêvé, je l'aurai. Oh là là, écoute, tu lui parles de rien, hein. Tu le sais, tu lui parles de rien. Voilà, oh là là, ça va être la berline. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli l'écraser tout à l'heure. C'est pas vous qui avez failli m'écraser tout à l'heure devant l'église? C'est-à-dire qu'il y avait un stock, moi je vais voir. Ah, Alexandre, tu vas pas fâcher avec le meilleur ami du petit docteur. Quel docteur? Eh bien, le docteur Liénard, celui qui a remplacé le Dreux l'été dernier. C'est un Ascosa, riche industriel. Et justement, son ami, le docteur Liénard, lui a dit que tu étais très intéressé par une PME pour Fleurimont, et alors qu'il était très intéressé lui aussi, il voulait savoir s'il pouvait t'entendre avec toi. N'est-ce pas, monsieur Scotta? Oui, c'est-à-dire que j'avais l'intention. Oui, alors, comme justement il n'est pas né de la dernière pluie, justement, il s'est dit, tiens, je me rends compte de visu. Et voilà, voilà, on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas, monsieur Scotta? Oui, mais oui. Oui, vous savez, si vous êtes un grand industriel, je vois pas du tout comment on peut être intéressé par un petit bled comme le nôtre. Hein, oh, les petits ruisseaux font les grandes rivières, justement, oui. On en parlait tout à l'heure avec monsieur Scotta. Oui, et puis depuis 2 ans, on en a vu, nous, des grands patrons. Là. Ils viennent visiter, et ils sont d'accord sur les bâtiments, et puis devant le notaire, alors au moment de signer, c'est fini. Hein. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Angélina, va nous faire un petit café. Non, 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 j'ai autre chose à faire, j'ai voilà, y a m'occuper, mais vous, vous avez à parler de la PME. C'est très important de parler de la PME. Je vous laisse. Au revoir, monsieur Scotta. Au revoir. C'est ma sœur. Oui. Venez nous asseoir, on sera mieux. Oui, vous savez, elle est méfiante, elle aussi, hein, parce que ici, hein, on en a tellement vu, hein, il faut pas nous la faire. Hein. Ouais, moi non plus, il faut pas me la faire. Et qu'est-ce que vous diriez d'une petite prunelle? Une petite prune, hein? Oui, oui. Ah, on serait mieux pour causer, non? Oui. Je vais la chercher. C'est d'ici, c'est de Fleurimont. Ah, hein. Alors si c'est d'ici, ça se refuse pas. Hé hey Gérard, ça va quand même? Oh, allez, non, le cognac, oh, il était bon, hein? Et Maurice, j'étais très content de vous connaître. Vous non, aussi. Mais vraiment, hein? Vraiment, hein? Il est bien, hein? Ah, hein? Ah, il ah. Est bien. Non, mais il m'avait dit, il m'avait dit. Il m'avait dit. Et puis alors, j'espère, hein, j'espère qu'on va se revoir, là. Hein? Parce que, hein? Non, bon, et dites-moi les copains, moi... On va faire une petite fête, oui, truc, oui, hein? Oui, non, mais tu t'en occupes. Oui, non, hein? Tu t'en occupes, ouais. Tu t'occupes de tout ça. D'accord. Et puis moi, faut que j'aille, parce que la copine m'a demandé ce que je fais, là. Hein? Bon, allez, les copains. Allez. À bientôt, hein, très content, hein. Ouais. Très content. Allez, hey, dis donc Gérard, et puis demain, hein, mon grand, ouais. Hein, hein, demain ça... Pas de problème. Très content, Maurice, très content.
Alors, qu'est-ce que tu penses de mon futur associé ? Il fait beaucoup de bruit. Ah ouais, mais c'est un type formidable. Quand tu le connaîtras mieux, tu verras. Avec lui à Grasset, on va faire des étincelles. Pourquoi t'en faisais pas tout seul ? Alors, ouais. Avec Paul-Antoine, on va passer en surmultiplié. Ah ouais. Ah bah, t'es bien comme ta sœur, toi. Dès que quelqu'un vous en impose, vous êtes contre. Ah non, mais il vous étonnera tous, tu verras. Ouais. N'empêche que Madeleine veut divorcer. Oh, ouais. Elle me fait du chantage, tu connais les femmes. Ça crie, puis ça finira par s'écraser. Pas ma sœur. Ah, j'oubliais. C'est une Leclerc. Il faut voir où ça vous a amené, votre petit caractère à tous. Hein. Si j'avais écouté Madeleine, je serais encore en train de pourrir à la rose des vents, aux ordres du père. De toute façon, si Madeleine était restée là-bas, il y a longtemps qu'on aurait divorcé. Comme ça, vous auriez gagné du temps. Ouais. Je suis pas né d'hier, moi. Hein. C'est pas toi qui me feras changer d'avis. Balai d'abord devant ta porte. Putain, mais ça marche pas, ces trucs électroniques. Merde. Je ne sais mauvais sang, moi. Mais s'il m'était arrivé quelque chose, je t'aurais téléphoné. Alors? Si tu voyais cet immeuble, là. Alors, là, tu peux pas imaginer. D'un luxe. Et tout est à lui. Des sociétés, tout à lui. Son bureau, alors là. Tu verrais, c'est incroyable. Bon, et alors? Alors, il m'a invité avec lui dans sa salle à manger particulière. On a déjeuné tous les deux. On a épluché le dossier, oui, point ça, par point. Écoute, ça fait 3 semaines que vous épluchez. Oui, hein. Oui, mais il est méfiant. C'est pour ça qu'il me plaît. Moi aussi, je suis méfiant. Bon, alors tu signes quand? Mais bientôt. Tu crois? Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr que j'ai appris qu'il avait acheté la Bonnière. La maison de... Mais oui. Qui te l'a dit? Mon service de renseignement. Et s'il achète une maison sur le territoire de la commune, c'est qu'il va y habiter. Et s'il y habite? Ça veut dire qu'il est décidé à signer le bail? Ouais. Oh, Alexandre, comme je suis contente pour toi. Et moi, donc. Ah. Je suis vraiment très contente, tu sais. Maintenant, cher monsieur Scossa, nous allons procéder à la signature du bail que la municipalité vous accorde. La dernière feuille, c'est suffisant. La dernière. Stylo. Merci. Grâce à monsieur Scossa, notre village aura trouvé le moyen de survivre et de ne pas mourir comme tant d'autres. C'est également grâce à vous, monsieur le maire. Bravo. Je vais vous avouer une chose, j'y croyais plus. Mademoiselle Bouillette. Oui. Le champagne. À quoi? Monsieur le maire. Bravo, monsieur le maire. Bravo. Ça, je veux pas faire de discours, mais vraiment, ce jour, c'est le plus beau jour de ma vie. Et moi, je suis très heureux aussi qu'après de longues discussions... Oui, ça c'est vrai. Nous ayons pu nous mettre d'accord, monsieur le maire et moi. Et j'espère que cette unité de meubles en kit que vous m'avez permis de créer sera prospère. Oui, et qu'elle nous permettra d'amener à Fleurimont le 109 qui nous manque à tous, n'est-ce pas? Oui. Je lève donc mon verre à notre avenir. Oui, merci. Attention. À tous. Et à notre amitié, monsieur le maire. Non, appelez-moi Alexandre. À votre santé. À votre santé, Alexandre. À votre santé. À votre santé, mademoiselle Scossa. Ce que je me méfie de vous, alors. Ou à propos, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Ah oui, quoi donc? Je viens d'acheter une maison à 6 km d'ici. Ah oui, la Bonnière, oui. Exactement. Oui, mais personne ne voulait l'acheter, elle était trop chère. Oh, mais je sais très bien négocier. Oui, ça je m'en suis rendu compte. Oui, ma femme avait envie d'habiter à la campagne, alors. Parce que vous êtes marié? Oui, hein? J'ai aussi un fils. Ah, ben, attendez, j'ai des photos, je vais vous montrer. Oui,
Tenez, regardez. Il est superbe. Il s'appelle Rémi. Ah oui, superbe, oui. Oui, mais c'est vrai, il vous ressemble, hein. Enfin, à part la couleur, bien sûr, mais... Ah oui. Hein? À bientôt. Oui, à bientôt. Hein. Merci. Mais je viens d'en apprendre une bien bonne. Ah bon, quoi? Il est marié avec une négresse. Oui, oui. Si, si. Bonjour. Le moment est là? Oui. Alors, va lui dire que le maire est venu lui apporter des fleurs pour lui souhaiter la bienvenue sur le territoire de Fleurimont. Va. Enfin, écoute, laisse-moi t'expliquer, c'est... Non, pas la peine, j'ai tout compris. T'as tout mendigancé pour tendre un piège, hein. Mais tu te trompes complètement, c'est... Si je t'ai foutu à la porte il y a 10 ans, c'est parce que t'étais une traînée, bon. Et si t'es marié à un parvenu, ça changera rien. Tu seras toujours le déshonneur de la famille. Alexandre, vous n'avez pas le droit de dire ça, taisez-vous. Oui, elle a peut-être réussi à me ridiculiser, mais toi aussi, tu seras ridiculisé. Parce qu'avec la couleur de son gosse, tu auras toujours l'air d'un cocu, tout le monde. Alexandre, regardez-moi bien. Oui, oui. Cette fois, vous avez été trop loin. Oui. Je vous jure que vous me le paierez très cher. Oui, oui. Vous me le paierez très cher, je vous jure, oui. J'ai vu les saisons tourner.